Bonjour, enfin bonsoir, enfin comme vous voulez. Ça dépend à quelle heure vous regardez le truc. Non, ce que je veux dire, là, je vais faire. C'est un ami qui m'a demandé que je lui montre l'introduction d'Hey Joe. J'ai une meilleure moyen, c'est que je la mette sur YouTube, comme ça il pourra la voir lui aussi. Et voilà, ça servira à d'autres personnes. Voilà, donc je vais la jouer une fois, après je détaillerai au ralenti. Et puis voilà quoi, c'est pas très compliqué. Hein. Voilà, 3, 4. Ainsi de suite. Voilà, ça, les accords, c'est une autre histoire. C'est pour l'introduction. Donc l'introduction, elle va se jouer tout d'abord sur les deux cordes du bas, c'est-à-dire la si et la mi, en même temps pour les deux premières notes. Qui va nous donner un mi septième, en fin de compte. Vous voyez? Donc doucement, ça... Alors ici, on peut aussi faire le mi à la place, l'accord de mi. Hein, vous voyez? Donc... Ici, on a un petit barré sur les deux cordes, disons le La et la Ré. Hein. Il y a un décalage, voilà, donc doucement. Toujours le Mi, après. Ici, on a donc ce qu'on appelle un hammer. Hammer, c'est une note qui est jouée d'abord avec le médiator et qui est frappée ensuite sur... Là. Bon, on va en l'occurrence sur deux cordes plus loin, ici sur la corde de, donc nous sommes sur la corde de Ré. Et on passe sur la corde de Sol comme un petit barré ici, donc on a donc... Et on termine par le Sol à vide, qui va nous donner, le, la, donc le, je veux dire, bon bref, on arrive sur le nom ensuite, mais je le rejoue doucement, hein. Ça fera donc... Vous voyez ? J'ai trouvé le mot, c'était la transition. Vous voyez ? Là, la transition se fait grâce à la corde de sol à vide, qui est très pratique parce que ça nous donne le temps d'aller sur le dos. Et, ou sur le ventre, comme vous voulez. Enfin bon, voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, grâce à cet ami, et ben, vous aurez quelque chose de plus là-dessus. Allez, bonne soirée ou bonne matinée ou tout ce que vous voulez. Voilà. À chacun sa galère.